Bienvenue dans les tutos Alter Vélo. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le vélo assistance électrique et ses principaux éléments. Pour commencer, il faut bien régler sa selle. Desserrez la poignée de réglage et faites glisser la selle en dessous de votre ceinture. Pour savoir à quelle hauteur l'ajuster, placez-vous à côté de celle-ci. Le repère sur la tige peut vous aider à affiner ce réglage. Enfourchez ensuite le vélo en posant le pied sur la pédale. Votre jambe doit être totalement tendue. Le poste de pilotage du VAE est constitué d'un écran de bord permettant d'avoir des informations sur l'autonomie de la batterie, les éclairages et le degré d'assistance électrique. Sa commande est située sur la partie gauche du guidon. Le sélecteur de vitesse manuel à poignée tournante est quant à lui situé sur la partie droite du guidon. La batterie se situe à l'arrière du vélo sous le porte-bagages. Pour l'enlever et la remettre, il est obligatoire d'avoir une clé. Selon votre utilisation, son autonomie varie de 40 à 120 km. Pour la recharger, il suffit de la brancher sur le secteur. Les commandes de freinage sont sur le poste de pilotage. La poignée de droite correspond au frein arrière et celle de gauche au frein avant. Il est recommandé de les utiliser simultanément. L'allumage des feux est automatique car le VAE est équipé d'un détecteur de luminosité. Si vous souhaitez les allumer manuellement, utilisez le boîtier de commande. Pour faciliter votre stationnement, notre VAE est équipé de deux antivols. Le premier, de type U, est fixé sur le côté latéral arrière du vélo. Il faut toujours l'attacher au cadre et à un point fixe. Le deuxième antivol, de type fer à cheval, bloque la roue arrière lorsqu'il est activé. Cet antivol est prévu pour des arrêts brefs. Les autres éléments de sécurité indispensables sont l'avertisseur sonore, les catadioptres. En option, vous pouvez utiliser un écarteur de danger, un rétroviseur ou encore un casque qui est recommandé. Pour un confort de conduite et une sécurité optimale, vérifiez également la pression des pneumatiques. La bonne pression est indiquée sur le flanc des pneus. Le VAE est équipé d'un panier d'une charge limitée à 5 kg et d'un porte-bagages limité à 25 kg. Au besoin, vous avez la possibilité d'y installer un porte-bébé. Surtout, n'oubliez pas de retirer la béquille avant de prendre la route.